C'est en poussant la porte de l'auditorium que l'on découvre la musique que composent les jeunes interprètes du Conservatoire de Saint-Dizier. Ici, batteurs, guitaristes ou encore bassistes s'exercent de 9h à 17h. Comme les professionnels, ils travaillent en résidence environ 7 heures par jour en cette période de vacances. Ce qui est compliqué, c'est que c'est de 9h à 17h, donc c'est assez intensif, mais c'est là qu'on apprend. On a Stéphane qui peut nous donner des conseils parce qu'il a l'expérience, ça fait 20 ans qu'il accompagne les groupes. Et moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait de musique actuelle comme ça, donc ça me plaît et peut-être en faire mon métier. Lorsqu'ils ne jouent pas, les jeunes et leurs professeurs composent et arrangent les musiques qu'ils proposeront lors de leur prochain concert. Un exercice essentiel pour Stéphane, qui supervise le groupe de musique. Le but, c'est d'apprendre, alors il est multiple, à la fois d'apprendre à jouer avec les autres, c'est-à-dire il y a une grosse problématique dans les musiques actuelles, c'est le travail de la mise en place rythmique, être capable d'écouter et d'être avec l'autre, et puis quelque chose qui est très intéressant qu'on essaie de développer ici, le travail de création. Donc composer, inventer, écrire bien sûr des textes, mais aussi les mettre en musique et arranger. Les partitions et les solos sont presque prêts, ne reste plus qu'à travailler les détails. Et bien sûr, après les répétitions vient le concert. Les 6 jeunes se produiront à partir de 19h à l'auditorium du Conservatoire.